Eh bien bonjour tout le monde, c'est Daily Gamers et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Et oui, le meilleur village HDV4. Donc avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les 50 abonnés. Grand merci à vous. Alors moi je suis hôtel de ville niveau 8, mais ne vous inquiétez surtout pas. Je vais utiliser le même nombre de remparts et de bâtiments qu'un hôtel de ville niveau 4. Ce village est l'un des meilleures bases que j'ai vues jusqu'à présent. Assez joli et efficace. Comme ça, vous pourriez dormir tranquille la nuit, sachant que vous ne perdez pas de trophées ainsi que vos ressources. Donc tout d'abord, il faut placer votre hôtel de ville au centre. Après, vous prenez vos réserves d'or et vous les placez comme ceci. Ensuite, vous prenez un canon et vous le placez là. Ensuite, une tour d'archet que vous allez placer ici. Après que c'est fait, vous entourez le tout par des murailles. Voilà, après que c'est fait, vous prenez un mortier que vous allez placer entre les deux réserves d'or, comme ceci. Après, vous prenez vos réservoirs d'élixir et vous les placez tout juste entre votre mortier et vous entourez le tout par des murailles. Puisqu'il y a un canon ici, donc vous prenez une tour d'archet et vous la placez là. Et puisqu'il y a une tour d'archet là, vous prenez un canon et vous le placez ici. Et vous entourez la tour d'archet et le canon par des murailles. Après que tout est fait, vous prenez vos camps militaires et vous placez un ici. Et un là. Ensuite, vous prenez votre laboratoire et vous placez tout juste ici. Voilà. Après, vous prenez vos mines d'or. Et si vous voulez, vous pouvez alterner. Moi, je préfère mettre les mines d'or d'un côté. Et les extracteurs d'élixir de notre côté. Voilà. Après que c'est fait, vous prenez votre château de clan que vous allez placer ici. Ensuite, si vous avez votre défense anti-aérienne, vous la placez tout juste ici. Voilà. Après, vous prenez vos ouvriers et vous les mettez tout juste ici. Maintenant, il ne reste plus qu'à placer les casernes. Après que c'est fait, vous mettez deux bombes ici. Et deux ressorts ici. Donc voilà, c'était le village HDV4. Alors j'espère qu'il vous aura plu. Abonnez-vous, partagez et donnez vos avis en commentaire.